j'ai un Kyle dans la maison de Norman. Et puis comme j'ai fait pendant 10 jours, j'ai pris mon journal et puis j'ai écrit encore mes pensées, j'ai encore écrit. Et c'est ici avec ce gros livre, parce que j'ai pris un gros livre avant de partir. Et j'ai écrit tous les jours au moins une heure, et parce que j'avais beaucoup de choses à dire, tout ce que je pensais, tout ce que je vivais. Je l'ai écrit, et dans le but d'écrire un livre afin de faire découvrir mon aventure, ce que j'ai vécu à des gens au monde entier, pas peut-être au monde entier, mais à la France. Et ensuite, chaque jour, il s'est rempli de richesses. Chaque jour, il y a eu des signatures de gens que j'ai rencontrés, de Sioux. Il y a eu des signatures de gens, des Américains, qui m'ont apporté une richesse phénoménale en à peine une après-midi. Il s'est petit à petit enrichi. Et donc pour moi, c'est un des meilleurs moments de ma journée, lorsque je m'arrête, j'ai fini une journée, elle s'est bien remplie, et puis hop, j'ai rempli toute une page, ou deux, trois parfois, et après. Et puis il y a eu un phénomène aussi, c'est lorsque j'étais seul, lorsque j'ai dû marcher pendant des journées dans le Missouri, ça a été mon seul. Je n'avais pas de Walkman, je n'avais pas de livre, donc je relisais mes écrits, et je dirais qu'à la fin, je connaissais pratiquement tout par cœur. Donc ça a été simplement ça. Donc ça m'a aidé vraiment pour effacer un peu toute cette solitude, et donc ça c'est vraiment...